Eh bien, salut tout le monde, c'est Sigmar, j'espère que vous allez bien. On fait du sur place, on fait du sur place, c'est vrai. Du coup, on va remettre les bonnes musiques. Eh ben non, on va pas, on n'aura pas le temps. Et on joue contre VGC, Richie Rock, qui nous joue la fameuse Team Charter Ramolos Fragile Eddy. Ok, alors, je connais tout à fait le bail de cette équipe, avec un Charter Weakness Policy, un Ramolos Evolu Rock, une équipe très marrante à jouer. Un Ramolos Evolurock avec Vibra Soin, Surf. Avec Surf, oui, pour toucher le Charter, activer la Weakness Policy. Ok. Avec le Ramolos qui est joué Distorsion. Ici, le Grotta Noir fait un malheur. On va jouer Arcana. On va finir par Tritosaur. On va faire ça. On va faire ça. De toute façon ici, le duo Miplodocus-Grotta Noir, il se met bien contre, je pense, tous les membres de la team adverse. Mais vraiment. Du coup, on va voir ce que ça donne. Il joue. J'espère qu'il va apporter le Ramolos, tu vois, ce serait fun. Raichu Ramolos, ok. Donc ça va fake out Trick Room. Ça va fake out Trick Room et probablement fake out le Grotta de Morve. Probablement fake out le Grotta de Morve d'ailleurs. Hop. Du coup là on va amener Tritosaur, parce qu'il a Charter derrière, ça c'est sûr. S'il fait Surf, ça va augmenter la puissance bon, de mon laser glace, c'est pas très utile en soi. Le bluff qui part sur le Grotta de Morve, la Trick Room qui va être placée par Ramolos. Ok. Donc ici le play, il me semble qu'il a pas de... Ben, voilà, il a pas d'immunité sol. Z abîme enfin. Vous allez le voir, et le sabotage qui part sur Ramolos. Est-ce qu'il le tient? J'en doute. Mur lumière, ok. Sauf que je joue pas spé. Désolé. Et en plus, mes deux Pokémon sont hyper lents, donc profite de la Trick Room également. Moins que Charter, il est vrai, mais... Ici, mon adversaire va avoir du mal face à mon équipe. Ça peut se terminer très rapidement. Donc là, le Raichu qui va partir dans les bas-fonds de la Terre. Il est même pas sage. Voilà, le Raichu est out. La petite surprise ici. Et le sabotage qui part directement sur le Ramolos. Eh bien, ça fait pas le chaos. L'évolue rock. The Famous One. Ok. Et ça amène Charter. Ok. Ok. Donc, Surf Weakness Policy. Ah merde. Alors ici je vais amener sur le slot de Tritosaur, je vais amener Miplodocus. Et je vais amener Arcanin sur l'autre slot. Il reste 3 tours de distorsion. Au cas où il déciderait de faire Lance-Soleil. Et derrière moi je vais pouvoir spammer aboiement, c'est tout ce qui m'importe. Donc l'intimidation qui va aller sur le Charter qui est totalement useless, pareil pour le Ramolos. Voilà, le Surf qui part. Qui va toucher le Charter. Ah oui, voilà, je vous l'avais dit, cette équipe, elle est connue. Elle est pas nulle. Mais elle est connue. Et l'éruption qui part. Donc les deux, grâce à leur résistance, vont plutôt bien la vivre. Plutôt bien. Ok. Il reste combien de tours de distorsion? Oula. En vrai. Ah putain.
Il va vivre à soin tous les jours. Allez, on va faire abri ici. On va faire abri. Le Ramolos qui fait vrille brasse-soin qui est plus lent que le Charter. Conçu pour. Comme ça, derrière, il se met à full vie. A plus 2. Et il n'active pas mes Wikiberry, ça c'est chiant. Ok. Là on subit quand même, on va pas se mentir, on subit. Hop. Et moi j'ai amené Tritosaur ici. J'ai amené Tritosaur et je vais faire bain de smog sur sa weakness policy. On va calmer le jeu. En fait, s'il fait lance-soleil, c'est tellement bien joué. S'il fait lance-soleil, c'est tellement bien vu. Éruption, ok. Mais éruption à full vie. Ça, c'est moins drôle. Voilà, ça fait énormément de dégâts. On a encore combien de tours de mur lumière? Encore un tour. Ah putain, il peut faire ce qu'il veut. Je vais claquer la Draco sur le Ramolos. Et bain de smog sur le Charter. Ah, il fait abri, c'est bien joué. C'est bien joué, mais prévisible, mais c'est bien joué. Là, il replace la Trick Room, c'est reparti pour un tour. Non, c'est pas reparti pour un tour parce que j'ai attaqué le Ramolos parce qu'il n'a plus l'Evoluroc. Et donc là, le Charter, il va être en souffrance un petit peu. Un petit peu. On est en 2 versus 4. Bon, après, je suis bien amoché quand même. Arcanin, ok. Donc Arcanin qui a peut-être Piétisol. Il me semble qu'il a Piétisol dans cette équipe. Je ne suis plus sûr. Je ne réponds plus de rien. Ok. Il a vu bain de smog, il va vouloir attaquer le... Il va vouloir l'attaquer le Tritosaur. Du coup on va changer. Parce que s'il fait... Admettons... Ouais, s'il attaque le Arcanin qui me remet la baie, ça peut me mettre bien. Sincèrement. On baisse l'attaque du Arcana. La Dracométeur qui va partir. Bon, je suis à moins 2. Donc, pas s'attendre à des dégâts exceptionnels, mais suffisamment pour réduire la puissance d'éruption. Bout de feu qui part sur Arcana, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça active la baie. Donc ça, ça nous met vraiment bien. La canicule, le Muplodocus est vite, ok. Ouais, par contre, ça fait toujours aussi mal. Mais il n'y a plus le Sunlight des Tropiques. Donc ça, c'est encore une bonne chose. Donc ici, je vais amener Tritosaur. Mais je vais faire aboiement. Le Charter fera abri. Donc l'aboiement qui va partir sur le Arcana adverse, qui est à moins 1. On le rappelle. Le bout de feu qui va partir sur le Tritosaur. Ouais. Ça ne fait pas le chaos.
Ici, j'ai amené mon Muplodocus. Et je vais refaire aboiement. Comme ça, s'il refait bout de feu, peut-être que ça active la wiki. Oula, ça, ça peut faire mal. Ah, j'aurais tellement pu... coup critique infligé à l'Arcanin, bon, ça m'importe peu. Il y a canicule ici qui va faire très mal. Coup de main plus un Charthor. Qui tue l'Arcanin mais qui tue pas le Muplodocus. Bonne nouvelle. Moi je vais manger ma baie. Miam miam miam. Et là on se met bien. En vrai là on se met bien. Est-ce que je peux Draco le coco le coco Charthor. Et je peux saboter Arcanin. Et là, là on peut faire un truc. Excusez pas Arcanin qui va menacer mon Muplodocus. Feu follet sur le Grotan Morve. Ouais, c'est pas un souci. Pour moi, désormais, la menace c'est plus le Arcanin. On n'a pas encore vu de Z-move du côté de mon adversaire. Est-ce que le Arcanin est Z? Non. Il est wiki. Je pense que c'est le Ligant dans la team adverse qui a le Z. Peut-être le Raikou. Peut-être le Raikou vu qu'il est pas sage. Ok, Draco Midirur ici. Et Direct Toxique ici. Coup de main une nouvelle fois. Mais le Charter il aura pas le temps de profiter du coup de main. Sauf, sauf si je miss en soi. Mais je ne miss pas. Et donc ça va partir directement sur le Charter. Il va mourir, il ne va pas supporter le coup, donc un tour pour rien du côté de mon adversaire. Et le direct toxique. Un petit poison pour achever le match plus rapidement. Non. Et là, le Arcanin, il peut plus rien faire tout seul. Donc on a eu quand même très chaud. On a eu très chaud. Allez, on va remettre une petite Draco. On a eu très chaud, mais voilà, ça se termine par un forfait. J'espère que vous avez kiffé ce match avec une team vraiment très originale. Enfin, originale. Enfin, le mec qui a créé cette team, je sais plus qui c'est. Mais il a du talent. Il a du talent, le mec qui a créé cette team. Et n'hésitez pas à bien laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau plan à quête avec cette équipe. On va voir. On va voir. Je vous laisserai la surprise. C'était Sigomor, tous tout le monde. À la prochaine.